Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horsemag, un magazine du cheval consacré au premier cabaret équestre de Haute-Savoie. Nous sommes à Draillan dans les écuries Les Éternelles chez la famille Bérangère et Michael Rémillet. L'occasion de découvrir ce premier cabaret équestre. On regarde. Ça fait à peu près 15 ans que je fais du spectacle équestre et je me produis dans tous les salons, un petit peu partout en France. Et c'est vrai qu'on a acheté notre écurie il y a 3 ans et on avait envie d'avoir notre propre cabaret équestre parce que voilà, on baigne dedans et on est beaucoup dans des spectacles dans le sud et ça se fait beaucoup dans le sud, les cabarets équestres. Et c'est la notion de mélanger l'art équestre avec d'autres arts. Donc ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être la peinture. On fait des spectacles de live painting notamment. Ça fait longtemps qu'on fait du spectacle, donc ça crée des amitiés. Et là, j'ai des artistes professionnels qui viennent de soit des Sainte-Marie-de-la-Mer, de Nîmes, de l'Aube, du Jura. Enfin, on a un panel d'artistes qui sont nos amis et qui viennent se produire ici pour justement animer le cabaret. Alors, on propose plusieurs numéros avec des chevaux ibériques, puisque c'est vrai que pour le spectacle équestre, il s'y prête assez bien. On a aussi des chevaux camargues, on a des chevaux comtois, ça c'est plus rare dans le spectacle équestre. On a des poneys, donc ça va être assez varié. Et on présente de la liberté, de la haute école, des numéros burlesques aussi, pour faire rire les gens. Enfin, l'idée, c'est d'arriver à s'évader l'espace de 2 heures de spectacle. Mes amis ils viennent justement ici par amitié, tout comme moi je vais à leur cabaret et à leur porte ouverte gracieusement aussi quand c'est le cas. En fait, c'est un petit peu comme ça, c'est une grande famille, un petit peu le spectacle équestre et les uns les autres, on se déplace chez les uns ou chez les autres quand on n'est pas embauché par une organisation comme un salon du cheval. En fait, c'est un projet de vie qu'on a ensemble il y a plus de 20 ans et là ça se concrétise depuis 3 ans. On a installé depuis 3 ans, on a beaucoup investi dans un manège, on a fait rénover pas mal de trucs et là ce soir c'est vraiment un grand bonheur d'avoir autant de monde chez nous et c'est que du bonheur. Après sur l'aspect organisation, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie. C'est la première année où on fait le cabaret équestre, on en fait un seul cette année mais je pense que voilà, on est parti pour reproduire ça les années qui vont suivre. Après, on va voir comment ça se passe ce soir, mais on espère que ça va bien se passer, que les gens seront contents et auront envie de revenir pour un nouveau spectacle l'année prochaine. L'origine, c'est Bérangère qui a la passion des chevaux. Et puis, quand on est amoureux, forcément, on adopte aussi les passions de l'autre. Là, ouais, elle m'a vraiment transmis l'amour des bêtes et des animaux. Quand j'étais petite fille, j'aimais les chevaux. Je ne rêvais pas d'être artiste équestre. Et j'ai été propulsée là-dedans un petit peu par hasard à cause d'une rencontre avec un vieux monsieur qui avait 80 ans et qui m'a demandé de présenter ses chevaux en spectacle. Donc c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier sur des chevaux qui étaient dressés. Et après, j'ai eu envie de dresser mes chevaux. Et c'est vrai que quand on a goûté un peu à ça, à ce contact avec le public, eh ben, on y prend goût. Hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment d'arriver à produire des émotions chez les gens, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et ça me remplit aussi d'émotions. Et mon mari me suit dans ce projet. C'est quand même important d'être deux là-dedans. Enfin, c'est vrai que c'est moi qui suis à cheval, mais c'est quand même lui qui gère toute l'organisation derrière. Et c'est pas un projet que j'ai toute seule. Alors honnêtement, moi je travaille à côté dans l'informatique et l'objectif, c'est d'arriver à essayer de rentabiliser un petit peu notre projet de vie pour que Bérangère puisse en vivre tout simplement. Et pourquoi pas, moi si ça tenait qu'à moi, j'organiserai des cabarets toutes les semaines. Donc on verra, mais on va en refaire pas mal, je pense. Avec mon mari, on est double actif, donc on a tous les deux un métier autre que l'équitation. Lui, il est informaticien, moi je suis professeur d'histoire. Et en fait, par la force des choses, on s'est retrouvés artistes équestres. Enfin, on a été propulsés là-dedans et la passion aidant, on a les deux activités. Et c'est vrai que ce n'est pas de tout repos, mais quand on a la passion, on ne compte pas ses heures. Je pense que l'idée, c'est de se roder. Il faut toujours avoir un objectif assez haut pour,
pour atteindre un petit peu en dessous et là, on a vraiment envie d'être la référence du spectacle équestre sur le Léman en fait, tout simplement. J'ai envie que ça plaise aux gens, que tout le monde reparte avec des étoiles plein les yeux, tout comme moi. Je les ai quand je vais voir certains artistes, enfin, c'est vrai que ça me met les frissons et j'ai envie que les gens y ressentent ce que je peux ressentir quand je vois un cheval danser ou quand je vois un troupeau de chevaux qui évolue en totale liberté juste par connexion avec leur dresseur. C'est la magie quoi et j'ai envie que les gens ressentent ça ce soir. Ça manquait clairement, il n'y a pas de cabaret, enfin, c'est plus dans le sud, les bodegas, etc. On va au Sainte-Marie chaque année au mois de juillet, donc il y a toute cette atmosphère qu'on a envie de recréer un petit peu chaleureuse et puis surtout d'accueillir les gens avec beaucoup de plaisir et d'amour quoi. Voilà, après une partie importante organisationnelle, place maintenant aux artistes. J'ai une ferme équestre où il y a seulement uniquement des chevaux comtois puisque j'habite dans le Doubs à Mèche, donc qui est le berceau de la race comtoise. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai que des comtois. Et ces comtois, ils me servent à faire des animations à la maison pour la réception de groupes d'enfants, etc. Et aussi partir en spectacle avec eux. Donc partir dans des fêtes, dans des foires, dans des salons, produire mes numéros. Ce sont des chevaux de trait, donc ils sont assez froids, mais il y en a quand même qui ont un certain tempérament, heureusement. On travaille avec des étalons aussi, donc qui ont quand même du tempérament. Et ils sont quand même dociles, mais ils sont... J'ai seulement cette race, donc je peux en dire que du bien. On va les comparer à des chevaux espagnols qui sont quand même faits pour le spectacle. Ils sont plus lourds, ils sont plus mous dans le mental. Donc on va des fois avoir un peu de mal à les motiver pour avoir des figures un peu impressionnantes. Des figures où le cheval va se coucher, s'asseoir, il va être très calme, ça va être plus facile pour le cheval de trait, le cheval comtois. Par contre, des piaffés, passages, cabrioles, cabris, etc., ça va quand même être plus d'énergie pour lui, vu sa masse et son gabarit. Il faut les connaître et prendre beaucoup de temps et s'y intéresser à eux, à la fois dans leur environnement que dans le nôtre, c'est-à-dire l'environnement du spectacle, qui les stresse quand même énormément. Donc il faut les connaître, savoir ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, et les amener de la meilleure manière. Pour que ça leur plaise. On a plusieurs disciplines, on peut faire de l'attelage, comme vous dites, du travail en liberté principalement. Ce soir, on va présenter un numéro avec 6 comtois en liberté et aussi artistiquement le clown, comme vous voyez que je suis prêt. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé il y a 3 ou 4 ans et on a vraiment, vraiment du bon répondant du public par rapport à ces numéros comiques parce que les gens aiment vraiment rigoler et ça, c'est très bien. On arrive à en vivre et à la fois, c'est une passion. Pas tout à fait évident de concilier toujours tout mentalement, mais on ne ferait pas autre chose, donc voilà, on fait ça. Voilà. Il y a une vie de passion, une vie de travail, c'est des chevaux qu'on élève depuis tout petit. On s'attaque aussi à quelque chose de plus compliqué, parce que moi, c'est vrai que j'aime le cheval étalon, j'aime l'entier, et du coup, c'est un cheval qui est plus délicat à travailler hors de son contexte, parce que vous voyez, dans un contexte comme ici, il y a des juments à l'échauffement. Ça, c'est un cheval qui fait les saillies, vous voyez qu'il y a une jument derrière nous. Il y a ça, il y a toutes ces petites inattentions-là qu'il faut arriver à capter pour sublimer l'animal et pour pouvoir arriver à l'avoir vraiment connecté avec vous dans le travail. Alors, moi, j'ai fait un numéro de travail en liberté tout à l'heure, mais je fais tout type de travail. C'est-à-dire que tous les chevaux à la maison sont attelés, ils sont montés, ils travaillent en voltige. On a une partie de cavalerie avec des chevaux classiques qui sortent en dressage classique. Et puis, tout à l'heure, vous verrez les numéros avec des chevaux montés, cette fois. On n'a pas que ça parce que c'est très difficile de gagner sa vie qu'avec ça au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que maintenant on a beaucoup de stages de perfectionnement, on fait beaucoup de stages à la maison, beaucoup de stages à l'extérieur pour pouvoir vraiment arriver à en vivre correctement. Oui. Il faut savoir que nous, il faut déjà en moyenne un cheval, on le débourre vers 3 ans, 4 ans suivant sa maturité physique. Il nous faut 2 ans de travail et après à peu près 2 ans voire 3 ans pour lui donner l'expérience de travailler ailleurs que chez lui dans ses meilleures conditions. Voilà, donc c'est toujours un travail qui est de longue haleine, en fait, j'ai envie de dire. Un travail, c'est toujours... le travail sur un cheval est toujours assez compliqué dans la mesure où finalement, c'est très éphémère. Vous élevez un poulain, vous espérez ne pas trop vous tromper dans sa capacité physique, dans son modèle à faire les choses. Et puis derrière, vous avez donc un temps pour le dressage, après l'éducation. Et puis après, vous avez un temps pour justement lui donner l'expérience.
Et puis après, finalement, le temps de travail pur et dur n'est pas si long que ça, sachant qu'ils prennent leur retraite vers 17-18 ans. Voilà, une bien belle soirée. En tout cas, ce cabaret équestre que nous ont proposé Bérangère et Michael Rémillet. On espère en tout cas les retrouver l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao.